il existe un retard de prise en charge des urgences cardiovasculaires et notamment de l'infarctus du myocarde chez les femmes. Et ceci est très préjudiciable car on sait clairement que la prise en charge tardive va augmenter la gravité de l'urgence. On sait qu'il existe une augmentation de la mortalité en cas de prise en charge retardée. Alors quelles sont les causes de ce retard? Ces causes sont multiples. Le problème est surtout comportemental. Les femmes méconnaissent peut-être, pour certaines d'entre elles, les symptômes, mais surtout elles n'accordent pas priorité à leur santé. Elles retardent la prise en charge, elles s'occupent de leurs proches, considèrent que cela peut attendre. La Fédération française de cardiologie est engagée dans ce combat crucial pour lutter contre ce délai de prise en charge qui est extrêmement préjudiciable.